Bienvenue à tous sur la chaîne Boule de Glace TV, c'est PDG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode dans le manoir volcanique. Pourquoi je fais des signes comme ça, je ne sais pas. Donc on est dans le manoir volcanique, petit tout. On est dans le manoir volcanique, on a débloqué via la quête de Ria. Ria qui était ici pour ceux qui veulent la faire, mais de toute façon il y a un tuto qui va sortir. Ria, elle était ici. Elle nous avait demandé de chercher un médaillon, on l'a récupéré ici, juste à côté, on l'a acheté, on lui a redonné, on est reparti par là, à côté de là, le grand chasseur de Dectus qui est juste ici, on lui a parlé, elle nous a fait un petit signe sur la main, en mode t'inquiète, je t'ai validé, bon bref, on s'est fait valider, à partir de là, on a fait quoi? Elle nous a envoyé au manoir, on est parti défoncer une cible pour elle, et c'est tout, maintenant on se retrouve ici, et on a débloqué ces petits personnages sympathiques. Bon, Ria, elle est pas là, je sais pas où elle est passée. Mais on lui a parlé, elle nous a donné des quêtes à faire. Il y a lui, là, qui va en descendre, qui fait un peu l'ancien. Bon, on va rien lui faire, là, pour l'instant, parce qu'on doit faire des quêtes avec lui. Elle parle bientôt, on va te casser ta gueule. Donc, petit manoir volcanique qu'on va faire. Je sais pas si je vais le faire en entier, hein. Je sais pas du tout. Parce que le... On a débloqué aussi elle. Avec le gros, là, j'ai envie de le tabasser. Vous voyez, ouais, fait un peu l'ancienne, c'est la chef du château. Mais en gros, en vrai, moi, elle paye un loyer, c'est à moi le château. Vous croyez c'est à qui le château? C'est à moi. C'est à moi le château. Elle, c'est une servante, elle. On a débloqué aussi Pat. On va boire un peu. On a débloqué Pat, qui est juste là. Il nous a donné une quête. Elle va sûrement nous trahir encore une fois, mais bon. Donc on a pas mal de choses à faire. On a les quêtes des personnages. Et on a... le boss du manoir qu'on va pas battre tout de suite. Rika. C'est Rika, hein, c'est pas... Rika l'alcool, ça s'appelle vraiment Rika, c'est un dragon. Il y a plusieurs boss, plusieurs personnes à affronter. Mais vraiment, on va essayer de faire un maximum. Après, vous savez, hein. Dans mes gameplays et tout, je prends mon temps. Donc, ça se peut que ce sera en 4-5 épisodes le manoir. On n'est pas là pressé. Et ce qu'on va faire, on va tuer les cibles un peu partout. Il y en a une là. Après, je sais qu'il y en a une autre qui est ici. C'est pour ça qu'on peut pas battre le boss. Les cibles, le problème, c'est qu'on peut, on les voit pas. Hein. Vous voyez, dans le triangle, là, c'est juste les monuments à faire. On peut pas les voir. Et après, là aussi, c'est quoi ça? Ça, c'est un portail téléportation. Ça, il ne sert à rien. Voilà, en gros, on va faire tout ça. On va avancer dans tout ça. J'ai récupéré quelques sorts. J'ai changé mon matos. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Et voilà, c'est ça pour les news. Les news sur Elden Ring. Ça, on n'a pas fait cette zone. Ce serait bien qu'on y aille un moment ou un autre. Voilà. Hein. Donc, je crois qu'on a à peu près tout nettoyé par ici. Je sais que par là, il y a un dragon. On va aller le combattre aussi. Je sais aussi qu'il y a un autre dragon qui est au niveau d'ici, je pense. Ouais, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il est pas loin, le dragon, là. Mais on a déjà ça, et on a la cible, là. À abattre. Mais il y a le dragon qui gêne. Hein. On va éliminer le dragon. On va avancer un peu dans les quêtes de tout le monde qui sont dans le château. Là, il y a un boss, là. Je sais même pas que là, il y avait un boss. Ouais, ici, il y a un boss. Mais on va le défoncer, écoutez. J'ai changé mon matos, regardez. J'ai pris l'aile d'Astel. Et avec ça, j'ai mis l'épée courbée du dieu serpent. J'ai pris un bouclier qui est plus 12, vous savez. Et le sceptre, je l'ai changé. J'ai pris le sceptre royal de Carion. On va essayer comme ça. Et après, on va voir. Je sais que j'ai franchement première, hein. Je sais pas c'est quel boss ici. Ah, c'est un dragon de magma. Bon, on va faire l'invocation. Ah ouais. Hop, on va le balancer des boules. Oh, ah ouais, attends, comment c'est puissant.
On va essayer de le définir à la main. Bam! Bam! Vous voyez, arme à deux mains. On va le finir hein, pendant qu'il est occupé avec notre... Bon, il y a un par là, faut faire le tour. On va pas faire le tour, on va le finir. Allez hop. Bye bye. Au revoir. Il nous a donné l'âme écaille du dragon magma. Plus cœur de dragon. On t'a défoncé. On t'a défoncé. On t'a éclaté. Voilà. Pas trop long pour lui. Pas trop long pour lui. On a bien éclaté, hein. Facilement été. Franchement, j'ai hâte d'avoir d'être à la dernière zone de jeu. Son personnage est tellement augmenté que. Il est tellement augmenté. J'ai tellement charbonné les premières zones de jeu. J'ai débloqué trop d'armes, trop de sorts que. Maintenant, limite, il y en a, j'utilise même pas. Comme Comète d'Azur, j'utilise même pas. Hein. Je vous mens pas que Comète d'Azur. J'utilise pas, sinon le jeu je le plie en 7. Hein. Franchement, le jeu je le plie en 7. Ah là là. Mais là, il y a un ascenseur là, apparemment. On va voir c'est quoi. On va voir, il nous mène où. J'espère quelque chose d'intéressant. Hein. Peut-être que là, on va pouvoir faire la requête. Faut monter. Peut-être qu'il faut monter pour faire la requête. On voit rien, il est long. Bien regardez, des fois il y a des petits passages. Ça, on a un boss qu'on n'a pas fait au début du jeu. On va aller le faire à un moment ou un autre. C'est le boss de l'introduction, là on l'a pas fait. Ce boss là on va le faire. Parce qu'il est lié en fait à une quête. Et cette quête, elle nous permet de nous débloquer. Cette quête, elle nous permet de nous débloquer, comment dire, une pierre via la quête de Fia. Et cette pierre, elle est plus 25. Est-ce que j'ai débloqué ce point-là? Ouais. Je sais qu'ici, il y a un dragon. Je sais qu'il est là. Ici, vous voyez, comme exemple ici, j'ai jamais fait ici. C'est des zones que je découvre. Ici, c'est des zones que je découvre. Et en fait, hop. Hop, je sais même pas pour vous dire où ça mène. Bon, on va me faire chier, pas me faire chier longtemps. Hop, vous voyez, double arme, hein. C'est puissant. Hein. C'est plus rapide et c'est plus puissant. Hop. Donc, on va y aller, on va y aller. Il nous a ramené à un endroit, rien à voir. Hein. Oh, rien à voir. Il y a un endroit, rien à voir, je pense. Et c'est de l'autre côté. On va aller juste là, hop. C'est ici qu'il y a le dragon. Bah, attends. C'est bien là, mais le 3 est pas là. On va d'abord éliminer l'ennemi là. On va rentrer dans son monde pour faire la quête. Et après, on va se sortir le dragon. Ici, je le vois pas le point. Normalement, c'est un petit truc rouge qu'on active. Normalement, c'est un petit truc rouge qu'on active, mais il est pas là. Peut-être c'est lui, hein, je pense pas. Bon, on va éliminer vite fait, on va voir.
Allez. Oh, c'était pas lui. Il dit c'est par là. La quête, je la connais pas trop. Je la connais pas trop. Hop. Alors moi, il dit c'est par là, c'est par là, c'est par là. Un petit point rouge. Vous voyez un petit point, les petits points rouges là, comme les messages, mais en rouge. Et là, il y a rien. Je sais pas. Peut-être la nuit, hein. Peut-être la marque, elle est là que la nuit. On va voir, peut-être que c'est que la nuit. Il y a certains ennemis qui s'apparaissent que la nuit. Peut-être c'est ça. En tout cas, s'il n'est pas là, on va aller affronter le dragon. On ira faire l'autre invocation qu'on doit faire. Et voilà. Hop, donc on met le point ici, 3. On passe le point, et on y va. On va voir s'il apparaît ou pas. Ouais, non, il apparaît pas, hein. Non, il apparaît pas. Bizarre. Vraiment bizarre, c'est requête du manoir de vos camps Tragoth. Peut-être qu'il faut le faire l'autre avant. Hein. Faut faire Highleg, après faut faire lui. 3. Bon, on va y aller, on va voir. Peut-être qu'il faut faire d'abord Highleg. Et après faut faire l'autre. Il y a un ordre précis, sûrement, peut-être. Allez savoir. Bon, ici par contre, s'il faut descendre par là pour le faire, il y a en bas, peut-être passer par là. Ah, le manoir, c'est vraiment une galère. Monter des échelles et tout pour y arriver, c'est... C'est vraiment une galère. Petit chapeau, petit cypros sur l'œil. Si je l'avais débloqué, j'avais utilisé un... Il y a un objet là. Cool. Alors moi, il est par là, le point. C'est pas simple hein, de naviguer ici. Hein. Vous voyez, juste là. Et là, on va envahir ce monde de Railleg. En plus, je crois que c'est... Ah, c'est dans la neige. Oh. Oh, l'enfoiré. Ma play a encore buggé en live. Oh, putain. Encore un problème. C'est un truc de fou, hein. Encore un problème, vous voyez? Encore un problème. Mais ça m'a pas enlevé tout ce que j'ai fait depuis 5 heures de jeu. C'est possible. Hein, on va voir, c'est possible que ça m'a enlevé 5 heures de jeu. Elle a bugué en live. Sauter comme ça. Pour rien en plus. C'est même pas du PVP, c'est... C'est même pas Internet. J'ai même pas mis Internet exprès. J'espère que ça va me ramener où je suis ou ça va pas faire une boucle. Bon, on est là, apparemment on n'a rien perdu. Bon, on va relancer. On va relancer, espérant que ça fonctionne. Voilà, bah, ça a fonctionné. Un gros bug pour rien. Bon, il est là ce chien de Railleg.
Tiens! Voilà, t'as fait le fou. Voilà. Normalement, on va gagner son armure, là. Voilà. C'est vengeance pour le bug de la play, là. Hein, vous voyez, il m'a rendu. Fiole de crépus. C'est quoi, par contre, ça, la fiole de crépus? C'est dommage, en fait, qu'il n'y a pas un onglet. Vraiment dommage, hein. Genre, c'est les derniers objets que vous avez débloqués. Parce que là, regardez, je dois rechercher tout. Partout où elle est, la fiole. Ça fait là, regarde. Hop, oh, pareil, je dois rechercher à chaque fois. Ça qui est chiant. Là, je peux réinitialiser 11 fois mon personnage. Tellement j'ai le truc. C'est un truc de fou. Bon, bah, je sais pas c'est quoi. Sûrement un objet de quête. Hein. Donc là, il y a un point ici à faire. Normalement, il n'y a pas d'autres points où, par rapport au début du jeu. Kaelid doit rien avoir. Ok, il n'y a rien, juste le point là. Ça, c'est un point qui a rien à voir, c'est un portail de téléportation. Et... donc ici. C'était ici, non? C'était là, non? Je comprends pas pourquoi on n'a pas... Peut-être que c'est en dessous, en fait. Moi, je cherche au-dessus, mais peut-être que c'est en dessous. C'est fort, c'est en dessous, hein. Oui, je vais là, ça se trouve, c'est pas là, c'est en dessous. Ah, je vais spammer croix, mais... ah non, je pense que c'est en dessous. Ça, je suis pile dessus. Non, non, je suis pile dessus. Si ce serait là, j'aurais déjà vu. Je pense que c'est en dessous, en fait. Peut-être que c'est là. On va voir. Peut-être le truc d'invocation, il est en dessous. Si je vais par là... ah, je disais quoi, vous avez vu? Ah, je disais quoi? Trop fort! Trop fort, j'avais raison. Il est là, torgnu, le garnu, là. Il a lui pété sa tronche. Il est où? Il y a un gros marteau, hein. Tiens, tu veux jeter... voilà, oh, magie, ça fait pas grand-chose. Regardez, regardez, j'ai débloqué un sort. Regardez-moi ça. Oh, le bâtard! Eh, il fait mal, hein? Il fait mal. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Eh, ce bouffon, il tire contre le mur. Oh, c'est bouffon débile. Bon, on va le finir. Oh, toi, tu veux frapper, toi? Oh, le bâtard. Eh, j'ai plus de magie ou quoi? Ah merde, j'ai plus, mais j'ai pas mis mon épée. Oh. Ouh. Ah, il m'a tué, hein. Ah, il m'a fait mal, hein. Ah, j'ai mal joué là aussi. Ah, j'ai mal joué là. Je savais que c'était en dessous, je me doutais bien. Ah là, j'ai mal joué. Wouah, oh, le bug! Oh putain, le bug de fils de chien! Il m'a niqué 100 corps en rune!
100K en rune, il m'a niqué. 100K. Parce que je suis double mort. Alors que... 100K, ils m'ont niqué. Alors que je suis mort, hein. J'ai réapparu, je suis mort une deuxième fois alors que je devais pas mourir. Putain, les bâtards. Regarde, ils sont mes runes. Bah, dans mon cul, hein. Ouais, ça, fils de chien, c'est ta faute, ta grand-mère, là. C'est ta faute, là, ta grand-mère. Tiens, tiens. Tiens, son chien. J'ai la rage. Ah ouais, tu veux faire des trucs comme ça, toi? Tiens. Tu veux jeter des trucs, toi, dans la tronche? Tiens. Tiens, tu veux un autre sort? Oh, allez, hop, dans ta tronche. Tiens, ça t'a fait mal, hein, ça, hein? Ça t'a fait mal, ça, hein? Ah, le fils de chien. Tiens. Tiens, sale chien. Ta faute, tu m'as fait perdre 100 cos, sale chien. Bon. Putain. Alors, j'ai tout bien. J'ai joué honnête. J'en peux faire que mes fait que de la magie. Mais c'est ça dans la vie. Dans la vie, c'est ça. Quand t'es honnête, tu te fais ken. Bah ouais, c'est ça. C'est la vie. C'est comme ça. Il m'a fait perdre 100K comme ça. Allez, j'ai perdu 100K en rune. J'ai gagné sa vieille armure là. Du mouflon là. 100K j'ai perdu. Ils sont où mes runes maintenant? Elle sait même pas où ils sont mes runes. Hein. Ils savent même pas. Hein. Regardez, ils savent même pas. Hein. Ils m'indiquent par là, mais ils sont même pas par là. Hein. Ils sont dans son vieux monde de merde là. Perdu là. 100 000 runes. Pour gagner 1828 et truc. Face à un bug, encore un bug, moi. Toujours je me fais ken par des bugs, moi, de façon. Moi, ma vie, c'est les bugs, ma vie. 100K perdu, comme ça. 100K, j'aurais pu acheter un Lamborghini dans Elden Ring. Non, mais 100K perdu, comme ça. Et ils sont même pas par là. Hein. Je vais aller par là, regardez de ce côté. Ils sont pas par là. Hein. Je suis mort en fait, je suis mort et je suis mort comme ça, sans explication, dans le chargement. J'ai un écran blanc, je suis mort dans le chargement. Horde sacrée. Je sais même pas où ils sont. Bon bref, c'est tout, hein, pour ça nous allons chercher pendant une heure. Hein. Je sais qu'ici il y a un ennemi, je pense. Oh la vieille, comment elle est arrivée? Wouah, ça commence à faire du feu, à faire des sorts bizarres ici, non? Il y a quoi ici? Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, vous voulez de la merde, vous, c'est pas possible! Ah, les bâtards. Oh, il fait des bulles de magie et tout. Oh là là. Y'a Zebé. Là, je vais leur faire un piège. Ils n'ont jamais vu de leur vie un piège comme ça. Oh non. Oh non. Toi, je m'occupais de toi à l'ancienne, toi. Allez, nettoyage. Nettoyage ici. Et il y a un coffre. C'est quoi ce coffre? Oh, c'est bien ça. Des manuels. C'est quoi ça la boîte? Il y a pas mal ici. Hein. Petit coin là, ici, non? C'est bon, c'est mon terrain maintenant. Je vais squatter ici. Vous allez refaire quoi? Bon, le dragon, je sais qui est là.
Ah ouais, mon putain, je suis dégoûté. Ouais, il est pas encore notre dragon, rien à voir. Il est apparu quand le dragon? Je crois qu'il était apparu en après-midi, je pense. Je m'amusais comme ça, là, par là, là, je me baladais, là. Ouais, j'étais là, par là, là, comme ça. Par là, je pense que c'était. J'étais en train de me balader et. Il est arrivé. Monsieur Dieu, c'est quoi ça? Eh, toi, gros, là. Et tout gros, il a encore bougé. Je sens que t'allais me gêner, toi. Oui, il est par là, je pense. C'est en plus un truc de Marika, là. Je dirais doit être par là. C'est quoi ça? Déjà, on va récupérer là, non? Ah, putain! Descends. Galère la touche. Papillon, on descend. T'es où déjà? Attends, attends, j'ai mis un point. J'ai mis un point, il est plus par là-bas. Ah ouais, il y a une grande place là-bas. Je pense que c'est plus par là-bas que par là. Ouais, je pense que c'était par là, parce que lui, je l'avais défoncé, lui. Et d'un coup, il est apparu. Peut-être c'est apparu le soir ou l'après-midi, il y a plein de trucs comme ça dans ce jeu. Ouais, il veut plus venir, hein. Peut-être faut que je les défonce eux, là. Ouais, il veut que choper, lui. C'est un chopper, lui. Là. Oh. Il se cache ou quoi? Je crois qu'il a peur. Je crois qu'il flippe. Ah, il est par là. Vous voyez les arbres blancs là? Regarde, il va tomber. Il est arrivé par là. Ah, même pas, hein. Il veut pas venir. Ouais, il veut pas venir. Il flippe. Ouais, c'est quoi ça, une catacombe par là, je crois? Ici, hein. Je crois ici c'est un boss. Hein. Je sais pas si je l'ai fait ce boss. Ah non, je l'ai pas fait. Allez là.
Ah, je suis en train d'en poutrer là. Oh non. Ils disparaissent tous, même pas. J'ai gagné un cendre de guerre. Ah ouais, ils réapparaissent tout le temps, eux. Allez hop, nettoyage ici. Hein. Ici on a nettoyé la zone. Bon, c'est un boîte d'objets à récupérer. Que de la connerie je crois, hein. Fragment d'os. Que des conneries. Y'a pas une catacombe ici? Caché ou quoi? Je savais il y avait un truc. Oh là, je savais il y avait un truc ici. Hein, qu'est-ce qu'il me fait, wesh? Des squelettes, vous arrêtez pas nous hein. Ah c'est elle qui les invoque. Mais vas-y casse-toi toi, allez hop. C'est elle qui les invoque. Vas-y lève-moi ça, on voit y a quoi à l'intérieur. Oh, talisman de dragon de perles. C'est quoi ça? Je fais où? Je sais même pas c'est quoi. Ah ouais, améliore grandement la résistance aux non-dégâts physiques. Ah, c'est bien ça. Je m'attendais à mieux, mais c'est pas mal. Bon, ça, on a nettoyé. On va aller au manoir. On va voir ce qu'ils veulent, là. S'il n'y a pas de nouveau chez eux. On va parler à elle là déjà. On va me dire merci nanana. Merci pour votre récompense habituelle. Katana vipérin. Le seigneur Ricard. L'arbre monde a béni les sens éclairs de sa grâce. Mais cela était trop insuffisant face à l'énormité de leur mission. Les sens éclairs furent contraints d'errer et de disputer les miettes. Tout comme les porteurs de fragments luttant pour le pouvoir aux prémices de l'éclatement. Notre seigneur ingénieur refusa de se quereller pour les quelques restes qu'il daignait nous accorder. Si l'arbre monde et donc les dieux eux-mêmes souhaitaient nous dévaloriser ainsi, alors il ne se tiendrait plus qu'à nous brandir l'étendard de la résistance, fusse hérésie. Nous autres habitants du manoir du volcan, vassaux du seigneur Ricard, avons juré de ne trouver le repos qu'une fois cette tâche accomplie. Si vous suivez cette voie héroïque, un jour notre Seigneur viendra à votre rencontre. Les visites du Seigneur auprès de nos champions sont toujours grandioses. Et elles arrivent toujours à point nommé. C'est bon, il dit toujours la même chose.
On a fini avec Ken. Qu'est-ce qu'il pâte nous dit. Je sais même pas si on a fait sa mission à lui, je crois. Voilà, la requête est accomplie. Vous avez émis Dragot, vous en êtes sûr? Non, non, c'est une bonne chose, bien joué. Cet enfoiré. Ouais, ça m'a coûté 100 cos à l'enfoiré, va. Ça m'a coûté 100 cos à l'enfoiré, va. 100 cos, enfoiré, va. Tête, non, ça ouvre pas, la porte ne bouge pas, on peut toujours pas bouger. Normalement, il y a un personnage qui doit être ici, mais toujours pas venu, hein. D'être rouge. D'être pour Bernal. Une invitation spéciale pour traquer les premiers sans éclat avoir pris place au bastion de la table ronde. Ah ouais? Si vous acceptez, nous verrons sur le champ de bataille. Ah, c'est lui, genre, je dois lui péter la tronche. Lui, il fait l'ancien, il va se faire péter la gueule. Hein. Il sait pas me scan. Hein. Il croyait là en mode ouais, il va me défoncer. Il sait pas, il va se faire allumer. Il sait pas ça. Voyez ici une invocation requête du manoir du Voltan. Valgram. Y'a que lui là. Pour l'instant, il a l'air d'avoir que. Il y a deux lettres, j'ai aussi deux lettres. Une rouge et. Sûrement pour rejoindre l'autre. Et truc pour. On va voir déjà si on retrouve pas le dragon. Ce dragon, il est là le dragon. Et ici dragon. On va voir si on trouve pas. Normalement, tout à l'heure il est apparu. Je l'ai pas fini pourtant. Il a pas l'air très très fort, mais bon. Il était là, il avait sauté. C'était pas à ce point-ci. C'était là. Hein. J'entends plus, j'ai l'impression. Toujours par là, recherche de ce dragon, toujours par là. On est en quoi, je crois? Là, on est en après-midi. Là, je suis deg. Là, c'était vraiment beau, je voulais vous le faire voir. On va réapparaître en soir, peut-être qu'il apparaît que le soir. Parce que vraiment, des fois, avec l'arbre monde là qui éclaire, des fois on sait même pas quand c'est le soir et la journée. Hein. Ah bah là, je crois qu'on est le soir. Oh, on dirait pas. On est le mi-journée. C'est de la nuit. Ouais, je crois que c'était la nuit quand il est apparu. C'était pas trop éclairé comme ça. Il avait bien été bien descendu. Hein. Faudra que tu veux pas réapparaître. Hein. Il veut pas. Il ne veut pas réapparaître. Il a peur. Il a peur, le petit dragon. C'est tout, hein. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'était par où? C'était par là, par là.
On va aller affronter l'autre, c'est pas grave. Hein. Je verrai sûrement comment le faire réapparaître plus tard. Je regarderai sur le net. Ah, moi, il était là, j'avais juste un peu avancé, il t'a apparu. Il est timide. Il est vraiment timide. On va aller ici. On va aller affronter l'invocation. C'était pas par là. C'est... Je dois prendre par ici. Parce que le point là, c'est le point... On peut pas redescendre en fait. Point 4, point 4. Oh merde, c'est en haut. Ah, faut passer par là. Par là. Pont divin. Galerie scellée. Peut-être qu'il faut avancer dans l'histoire en fait pour le faire. On peut pas le faire tout de suite, sûrement. Ouais, je pense pas qu'on peut le faire tout de suite. Il faut avancer dans l'histoire. Donc ce qu'on va faire, nous, on va rentrer dans le château. On va défoncer les deux sentinelles. Et après, on ira au manoir du volcan. Donc on fera le... Une prochaine manoir du volcan. Ce qu'on va faire là, il y a deux sentinelles à abattre. On va essayer de les faire. Ça va pas être simple, hein. Tiens, de là, je crois, ils sont là, non? C'est pas là, les sentinelles? Peut-être ils sont avant. Je crois que c'était avant une porte. Peut-être qu'ils sont avant la porte. Peut-être qu'ils sont là, justement. Comme ça, on va clôturer sur ça. Et le prochain, comme ça, on pourra se concentrer que sur... Ah, ils sont là. On pourra se concentrer que sur le manoir. En plus, on peut même pas invoquer, je pense. Ils sont là, ils sont au-dessus là. Ouais, leur péter la gueule. Ils sont là, ils sont en haut. Ah là, on peut invoquer. Attends, avant. Salaud, t'as une attaque directe, hein. Mal. Oh, laissez-le tranquille, wesh. Ouais, tu l'as double épée. Pourquoi il veut pas utiliser ça? Il veut pas.
merde, c'est pas ça. Hop. Hop. Putain. Ah, la caméra. Oh, enfoiré. Oh non. Ouh. Ah. Enfoiré, il m'a tué. Ma cendre à la finilote, il m'a tué. Ah, putain, dommage, quand je vais revenir, il restera qu'un. Bon, il pétait sa gueule, hein. Ah, putain. Oh, il s'amuse à tirer des flèches. Il restera qu'un. Ah, les deux, ils sont là. Ils paraissent à chaque fois, genre, non. Son allonge, elle est longue, hein. Enfoiré. Bien fini, voilà. Voilà, on a défoncé à deux, allez hop. Allez hop, ça c'est fini. Pavois de l'arbre au monde. Et runes de héros. Pas grand chose, mais bon, plus 20 000 runes, je crois, on a gagné aussi avec. Bon, c'est pas énorme, énorme, mais au moins on a bien fini l'épisode. On a fini l'épisode sur un combat de boss. Double sentinelle. Franchement, pas mal. Prochaine, on attaquera le château du magma, là, du volcan. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser le petit abo qui fait plaisir. Vraiment, je vous remercie à tous. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Et n'oubliez pas, il y a d'autres gameplays sur la chaîne, d'autres vidéos qui arrivent, d'autres concepts qui arrivent. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Et je vous dis à tous, à très très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, la vie est belle, mais ça dépend pour qui. Oh.